explique-moi ce que tu fais à bord de Tara et quelles sont les conditions aujourd'hui. À bord de Tara, moi je m'occupe de l'instrumentation scientifique, l'instrumentation qui va à la mer et l'instrumentation qui enregistre les données en continu dans le laboratoire. Et aujourd'hui, on est dans les glaces là et on fait notre première station, je dirais, par froid, mais il ne fait pas si froid que ça. Et donc on a fait une CTD, il y a un filet à l'eau et on va continuer. La CTD a eu un peu de mal au démarrage, c'est le froid ou est-ce que les instruments souffrent du froid? Oh non, là, ça, non, je peux pas dire, on ne sait pas. C'est pas ce qui s'est passé. On a fait une petite erreur de programmation parce qu'il n'y a que 50 mètres de fond, ce qui n'est pas vraiment usuel par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc on a fait une petite erreur, ça c'était le premier défaut. Ensuite on a un défaut de batterie, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé parce que la batterie était bonne. Et le troisième, bon, c'était bon. Donc la particularité de la station, c'est des mises à l'eau peu profondes, c'est ça? Voilà, ouais, il y a 50 mètres de fond, donc il faut faire attention de ne pas remonter de la vase dans les instruments. Et voilà, il faut être soigneux. Merci. C'est bon. Oui, Céline.